Vikwiki twongeye kugaruka kugira ngo tugushimire icyumweru cyose twabanye kugeza kuri uyu wa gatanu tariki ya 2023. Aka kanya tuje kukumenyesha rero amakuru ya Michaela Long. Michaela Long akaba yarasohoye igitabo gishinja ibyaha bikomeye perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse yewe na regime iyobora igihugu cy'u Rwanda cyangwa se guverinoma, aho mu gitabo cye yakomeje kuvuga no ku bihugu by'i Burayi agashinja igihugu cy'u Rwanda yuko ngo kigerageza guprofita uko gishoboye ipfunwe ry'ibihugu by'i Burayi kuba ngo byarareberiye hagapfa amagana n'amamiliyoni y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo rero ibyo bihugu bikomeza kugira ipfunwe ku buryo ngo ubutegetsi buri mu gihugu cy'u Rwanda bunambuka bukabyiciramo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda ngo bakicicikira ntihagire ibihano ubikorwa cyangwa se iki ndikere cyo cyose gishobora gukorwa mu guhana ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo Michaela Long yavuze reka tukureke ubanze ubyumve turagaruka mu kanya. Oui, effectivement, mon livre parle d'une campagne d'assassinat et d'intimidation des dissidents rwandais à l'étranger. Et beaucoup d'eux étaient des anciens copains, des anciens dirigeants du FPR. Je fais la comparaison avec Trotsky parce que je pense que Kagame, un peu comme Staline, est vraiment obsédé par ce groupe d'anciens dirigeants du FPR qu'il a connu depuis longtemps, depuis son enfance. Ils ont lutté ensemble en Ouganda et après au Rwanda. Et il regarde ces gens vraiment comme des menaces à son régime parce que ce sont des gens qui le connaissent mieux que tout le monde. Et comme Staline, il a utilisé les amis pour entrer dans les intimités de ces gens-là. Alors, par exemple, Karegeya s'est fait piéger par Opolo. C'était un homme d'affaires rwandais que Patrick Karegeya considérait comme un ami. Alors, il a été invité dans une chambre d'hôtel par Opolo. Et là-bas, il y a eu un escalier de mort qui l'a sauté dessus, l'a étranglé. Ce qui est frappant dans votre enquête, c'est qu'on apprend que les assassins rwandais du dissident Patrick Karegeya sont parfaitement identifiés par la police sud-africaine, mais que la justice sud-africaine renonce à les poursuivre et à les juger, et qu'elle assume ce renoncement. Bon, il y a eu une procédure de 5 ans avant que l'assassinat de Patrick Karegeya est arrivé au tribunal. Et moi, j'étais étonnée, j'étais parmi les très rares journalistes qui se sont présentés dans le tribunal et on a compris plein de choses. Il y avait toute une lettre écrite par la police sud-africaine pour expliquer au parquet pourquoi on n'avait pas poursuivi le cas. Et c'était parce qu'ils disaient clairement que c'était parce qu'on savait qu'il y avait des liens entre l'escadron de mort et le gouvernement à Kigali. Alors c'était très embarrassant et très gênant et on a décidé de ne pas poursuivre l'affaire. Et ils ont dit ça dans une déclaration qui a été publié par le parquet sud-africain. Michaela Rong, vous montrez bien comment, depuis le génocide des Tutsis en 1994, le président Kagame exploite habilement le sentiment de culpabilité de la communauté internationale pour s'affranchir d'un certain nombre de règles internationales en toute impunité. Mais la libération le 25 mars dernier de l'opposant Paul Rusesabagina, qui a été rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda, est-ce que ce n'est pas la preuve que quelquefois Paul Kagame doit céder aux pressions internationales, notamment américaines? Oui, effectivement, je pense que ce qu'on voit avec Kagame, c'est quelqu'un qui se montre implacable, homme dur, mais c'est aussi un monsieur qui est très, très sensible, même obsédé par son image, sa réputation à l'étranger. Alors, dès qu'il voit qu'il y a eu un changement dans ses relations avec une alliée importante, et dans ce cas-là, c'était les États-Unis, il peut changer de politique tout d'un coup. Quand il a vu qu'il y avait même la Maison Blanche, le State Department, Hollywood, qui soutenait la famille de Rusesabagina, qui mettait la pression pour sa libération, il a cédé tout d'un coup. Et je pense là-bas, il y a une leçon pour tout le monde parce que souvent, on n'ose pas critiquer ce gouvernement et on n'impose pas de sanctions sur le gouvernement de Kigali parce qu'on pense que ça va mener nulle part. Mais effectivement, on voit que la pression, ça marche. Mais vous allez jusqu'à écrire que le président Kagame a besoin d'une guerre
perpétuelle avec un ennemi bien identifié pour survivre politiquement. Bon, effectivement, si on regarde l'histoire du FPR, on voit qu'ils ont pas seulement bouleversé le gouvernement de Juvenal Habyarimana, le président rwandais, ils ont aussi bouleversé le président Mobutu du Zaïre. Après, ils ont fait la guerre sur Laurent Kabila, le monsieur qu'ils avaient mis en place pour le remplacer. Et après, ils se sont même bagarrés avec leurs alliés, les Ougandais de Yoweri Museveni à Kisangani et ailleurs. Alors, on voit vraiment que c'est un régime qui a vraiment un profil militaire. Et je pense que oui, Kagame a besoin de cela. Il a besoin de se montrer fort au niveau militaire et aussi de convaincre le monde que lui et sa communauté, ils sont toujours menacés. Et alors, ça justifie le fait qu'il est un président très, très répressif, autoritaire, qui ne tolère absolument pas le débat, les critiques ou les gens qui essayent de l'affronter chez lui. Alors, je trouve que c'est vraiment un système très fragile. Et pour moi, c'est surréel que tant de pays en Occident, ils considèrent ce monsieur comme un symbole de stabilité. Pour moi, c'est le contraire. Karegeya wishwe rero yiciwe muri Afurika y'Epfo. Uyu Karegeya akaba yarigeze rero kuba umwe mu bakuriye iperereza ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba yari umwe mu bofisiye bakuru b'igihugu cy'u Rwanda kandi wabanye bya hafi na perezida w'igihugu cy'u Rwanda Michel Aronge. Akomeza avuga yuko mu by'ukuri ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo buhagarariwe n'umuyobozi wabwo Paul Kagame ngo bworoshye cyane mu bijyanye ngo na systeme yabikomeye, ngo kubera yuko ubugerageza ngo gukoresha igituza cyane cyane gishingiye ku ngabo ngo kugira ngo urusheho kugerageza gukanga amahanga, ndetse ngo no kugaragara yuko bufite intego ngo bugendeye mu gukomeza ngo gushingira kuri instabilite kugira ngo ubugaragare nkaho ubushobora gukemura ikibazo kubera ngo bushingiye ku gisirikare, ariko ngo bukaba bugaragaraho ibikorwa ngo byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse no kutihanganira ababukritika, ndetse kugeza naho ngo itangazamakuru rikoreshwa ngo mu buryo bubiri, uri kuri regime cyangwa se warahunze. Nibyo rero bikomeje kugenda bivugwa na Michel Aronge. Mwamwiyumviye, komeza ukurikirane Very Quick, turagaruka mu kanya tukubwire n'ibindi. Ariko nitwagenda tutakubwiye yuko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yo ivuga yuko ngo izina riryo muntu ngo Michel Aronge nyine ngo ari Ronge, nta kintu avuga ngo cyanyacyo. Very Quick, turagaruka mu kanya kandi wikendi nziza. Gatabazi akaba amaze guhabwa imbabazi na perezida w'igihugu cy'u Rwanda ngo nyuma yo kwitabira iyimikwa ry'umwami cyangwa se umutware w'abakono. Perezida Paul Kagame akaba yababariye Gatabazi Jean Marie Vianney witabiriye ibirori ngo by'iyimikwa ry'umutware w'abakono ryabereye mu murenge wa Kinigi wa karere ka Musanze ku itariki ya 9 Nyakanga 2023. Nyuma yaho rero ibirori byimikiwemo umushoramari witwa Kazoza Rushago Juste bibaye, inzego zishinzwe umutekano zikaba zarataye muri yombi bamwe mu babyitabiriye ibyo birori nyine, barimo n'abayobozi b'akarere ka Musanze. Gatabazi nawe usanzwe akoresha urubuga rero rwa Twitter buri munsi, byagaragaye ko kuva ku wa 15 Nyakanga kugeza ku wa 19 Nyakanga 2023 na butumwa yigeze ashyiraho, bikavugwa yuko nawe yari yaratawe muri yombi ishyaka FPR tanye rero riri ku butegetsi tariki ya 18 nkuko twabibabwiye, ryamaganiye kure iyimikwa ry'uyu mutware, risobanura yuko ibi birori bisubiza inyuma gahunda ya Ndi Umunyarwanda ndetse na gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse yewe na gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda, riburira abanyamuryango baryo bakwijandika mu bisa n'ibyo ngibyo ko ngo bashobora kugira ingaruka.